avec Romain Magellan, rugbyman. Oui, effectivement, rugbyman. Je crois qu'il fait peur, vous faites peur un peu à Grégory. Hein. Oui. Voilà, donc j'ai demandé de descendre d'une marche parce que voilà, j'aime autant. Donc vous êtes tous les deux parrains d'Ella. Que représente pour vous deux cette association? On va commencer par Grégory. Oui. Non, moi je suis parrain, lui il est marraine. C'est pareil, c'était une de mes demandes. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente déjà des journées de joie, de bonheur. Nous, c'est les journées qu'on vit avec les familles. On sait que c'est une journée pour eux quand on va chez Disney ou à Center Park ou même tout simplement des journées comme aujourd'hui avec tous les enfants des écoles qui ont participé aux opérations, etc. C'est des moments de joie. Si on peut amener notre petite pierre à l'édifice dès que possible, c'est la moindre des choses. Ça représente beaucoup. Pour vous Tout pareil. Non, moi je suis le petit nouveau parce que c'est mon premier jour dans l'association. Alors j'ai appris à connaître les parrains, les familles, les bénévoles. Et moi j'ai fait 20 ans de rugby. Il y a une ambiance de rugbyman, il y a de la convivialité, il y a de l'entraide, de la solidarité. Et pour ça, je suis très content et très fier d'être parrain. Puis il y a une deuxième chose que je voulais dire, c'est quand je vois le discours des malades, des familles. Moi j'ai fait de la compétition à haut niveau, mais j'ai envie de dire c'est facile ce qu'on fait, c'est eux les courageux, c'est eux qui vivent ça au quotidien, et eux c'est eux les vrais champions. Donc si moi, comme l'a dit mon collègue et néanmoins ami maintenant, on peut amener notre petite pierre à l'édifice et puis aussi donner, parce qu'on a beaucoup reçu, mais on peut donner de notre temps, puis notre joie de vivre, on le fait tous les jours. Vous avez parlé de famille tous les deux. On sent ce lien de rapprochement avec parrain et famille. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai ressenti là. Je vous dis, le comparatif a été vite fait, comme au niveau du rugby, qui est un sport magnifique, n'est-ce pas? Et vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a de la joie, tu en as parlé, du sourire. Tant mieux, et puis pourvu que ça continue. Vous gardez contact avec les familles? Alors on se voit régulièrement sur les événements, on garde un contact Facebook aussi, parce qu'il y en a de partout évidemment, ça suffit. Donc de loin en loin, via Facebook et sur les événements bien sûr, et on s'attache, forcément. Votre point de vue sur les avancées? Je suis bluffé de ce que je viens de voir, le médicament... Tu peux redonner le nom de... MD... Non, pas le nom de code, il y avait un nom au Scrap qui fait 3000 points. Non, je ne l'ai pas retenu non plus. Le nom de quoi? Il y avait un nom qui prenait tout l'écran. J'ai dit ce nom-là au Scrap si je le ressors, mais non, je ne sais pas. Je suis épaté, c'est génial ce médicament-là. Donc il va rentrer en test, c'est quoi en je sais plus le nom. Il a dit. Et Sébastien qui était là va participer à ces tests, et tant mieux. Et c'est des gens comme Sébastien, excuse-moi de te couper, des gens comme Sébastien, on voit qu'on dit de la difficulté à marcher et tout, et pour autant, ils ont le sourire tous les jours. Et moi, ce que je dis, bon, encore une fois, c'est mon premier jour ici, mais j'ai l'impression de plus recevoir que de donner pour l'instant, parce que c'est eux qui nous donnent des leçons. Ça, c'est très très clair. On vient là en toute humilité, on est très nombreux, on prend des leçons de vie, et pour revenir aux médicaments, je trouve ça magnifique. Si ça peut permettre de faire des avancées moteurs de 40%, 50% comme on a vu là dans les chiffres, c'est génial. Donc voilà, ça bouge, c'est bluffant. Et on comprend pourquoi les élèves se mobilisent, enfin voilà, c'est très efficace et c'est tant mieux. Pour finir, votre actualité à tous les deux, Grégory, votre actualité? Alors, mon activité, je vais sortir de Plus Belle, de la série, là. J'ai une mise en scène à faire. Je vais m'occuper de distribuer un petit projet de format court, etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais, je vais sans doute faire un Bollywood aussi. Ça, c'est amusant. Donc, je vais aller en Inde et on va faire comme ça. Ça va être très, très rigolo, avec les éléphants. Ça va être chouette, ça. Je peux faire l'éléphant? Tu veux faire l'éléphant? Ouais, je veux bien. Bah, écoute, ça tourne un mois en Inde et deux semaines à Paris. Donc, sur Paris. Bah, avec grand plaisir pour faire l'éléphant. Tu vas faire l'éléphant au Troca. Moi, mon actualité, toujours sur les bords de terrain sur Canal+, pour le top 14. Je présente aussi la cérémonie des Oscars Midi Olympiques tous les mois. Donc, il y a un Oscar qui est nominé. Et puis, à côté de ça, je fais des petites vidéos qui vont passer sur le net, des petites vidéos humour. Voilà. Merci à tous les deux. On viendra vous voir si vous l'acceptez lors de votre tournage. Volontiers. On se tient au courant. Pas de soucis, merci beaucoup. Merci à vous. Moi je veux bien venir.